Wesh tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va pas parler de gacha, mais d'un MMORPG que j'attends depuis longtemps. Il a été annoncé à l'E3 récemment. Avant d'aborder le sujet, je vous invite à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et je mettrai également mon petit lien de Twitch, parce que je compte reprendre les lives d'ici quelques semaines pour jouer à ce jeu et d'autres jeux comme Valorant, etc. en attendant Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen ou d'autres jeux qui pourraient nous plaire. Sur ce, on démarre la vidéo. Je vous montre le trailer de ce fameux jeu qui est Tribes of Midgard. Et par la suite, je vais vous parler de ce que je ressens pour ce jeu. Et pour quelles raisons je vous fais ce petit, c'est enfin cette petite vidéo. On y go. The giants have come to Midgard, and you have been chosen by the gods to protect this realm. But your first task is to find some new clothes that aren't as drafty. Your tribe's journey starts in the wilderness. Hunt down pets, gather rare resources, and explore the untamed world. Once you've plundered all you can carry, return to your village and use those resources to forge Viking-worthy gear. You must protect the seed of Yggdrasil at all costs, or this world and everything in it will be destroyed forever. So take heed. The Helthings rise when the sun sets. Destroy these dark spirits before they destroy the seed. Each victorious night makes way for a new day to venture into new lands, build to greater heights, and face fiercer creatures. And with great risk comes great rewards. But be careful. You're of little use to Midgard squashed by a troll. Craft legendary weapons, build deadly defenses, and grow the strength of your tribe, because those giants are on their way. And it's time for us to end their path of destruction. On s'arrête là, parce que là, ils nous ont quasiment montré tout ce que je voulais voir, tout ce que je voulais vous montrer également. Et en fait, c'est un jeu où on crée notre personnage, on crée notre petit village, où on doit faire des on doit créer notre petite famille, notre petit clan. Quand j'ai clan, c'est enfin, quand j'ai famille, c'est le clan. Et en fait, on a des métiers à côté, on a différents métiers, différentes classes. C'est ça en fait qui est bien, c'est que le jeu est vraiment très homogène. On va, c'est pas comme se créer une classe et après faire que du full farming pour cette classe où on doit up jusqu'au niveau maximum, faire des donjons à droite à gauche. Là, c'est de la défense, de la création, du building, etc., etc. Le jeu est vraiment très complet et c'est pour ça que le jeu il me plaît énormément. Et maintenant, je vais vous dire les prix. Le jeu il coûte 20 euros. Il est disponible sur PC, PS4 et PS5. Et pour la version la plus chère, elle coûte 30 euros. Du coup, enfin, exactement 29,99 €, mais on va arrondir 30 euros. Vous pouvez déjà le précommander. Déjà, on pouvait le précommander déjà depuis plus d'un mois, depuis l'annonce à l'E3. Et je compte faire pas mal de choses sur ce jeu. On termine la vidéo avant de se dire au revoir. N'oubliez pas, bien sûr, de lâcher le petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Et de venir me suivre sur Twitch, Twitter et Discord. Tout sera dans la barre de description, bien sûr. Let's show them our might is greater than their height. As the saying goes, Valhalla can't wait. Et c'est ça qui est bien, vous avez bien entendu à la fin, hein. Le Valhalla. Ceux qui ont déjà joué auparavant Assassin's Creed ou qui ont regardé la série Viking ou qui ont tout simplement qui lisent les scans de Vinland Saga ou qui ont vu la première saison, tout ça normalement vous devrez kiffer tout ce délire, tout ce monde, tout cet univers rempli derrière où on voit plusieurs classes, construction du village, etc. En plus, ça parle du Valhalla. Les gars, ce jeu-là,
On va bien le fumer. On va bien le fumer. Il sera disponible, bien sûr, le 27 juillet, du coup, la semaine prochaine. Enfin, la semaine prochaine. Enfin, dans 10 jours, un peu plus de 10 jours. Et du coup, n'oublie pas qu'on va stream dessus. Qu'on va faire pas mal de vidéos dessus. En attendant, les fameux jeux mobiles qu'on attend depuis assez longtemps maintenant. Comme je vous dis, Kimetsu et Jujutsu. Enfin, plus Kimetsu. Et sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Et peace.